À la maison, je me rappelle, bon, mon père donnait un petit peu des cours d'éveil musical, et du chant, fallait chanter. Mon père était une sorte de maître chanteur, fallait chanter. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé dans le piano, c'est que, en fait, je pouvais faire quelque chose où j'étais tout seul. Et ça m'a plu. Ça m'a plu de pouvoir faire quelque chose où j'étais tout seul. Puis la guitare, c'est très beau, mais je crois que mon frère, comme il en faisait peut-être, et qu'il en fait. En tout cas, je préfère écouter mon frère qui joue de la guitare que moi tenir une guitare et jouer. Comme souvent, j'essaye aux gens que je rencontre et qui ne savent pas que je suis musicien, je le dis pas, parce que si quelqu'un peut me jouer de la guitare, ça me fait super plaisir. Je croise beaucoup de gens qui ne jouent pas d'instrument sous prétexte que je serais une sorte de personne qui pourrait déterminer qu'ils ont le droit ou non d'en jouer. Enfin bref, tout ça c'est des trucs qui m'intéressent pas. Et le piano, après, ce qu'il y a, c'est que le piano, c'est un orchestre à lui tout seul. L'harmonica, tu vas être limité. Moi j'adore l'harmonica, mais tu vas être limité. Le chant, tu vas être limité. Et ensuite, la batterie, c'est super, j'adore, mais je vais être limité. Alors que le piano, ça me permettait de tout faire, entre guillemets, je parle là comme l'enfant que j'étais, et bien ça me permet de tout faire avec un seul instrument et par moi-même, sans l'aide de deux personnes. Donc ça, c'est certainement aussi la espèce de différence qu'a fait le piano. Le piano, tu peux accompagner un chanteur, tu peux accompagner la batterie, tu peux être avec un bassiste, tu peux faire ça tout seul. Tu as besoin de composer quelque chose, tu le fais avec un piano. Beethoven avait un piano, Mozart aussi. Voilà, c'était ce qui leur permettait de composer, de créer. Donc j'ai toujours aimé ce truc-là qu'il y a avec le piano de création et puis le son du piano. Il y a quelque chose dans le piano qui peut me toucher plus que tout autre instrument.